Hey, j'espère que tu vas bien, c'est les Tiro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon. On va ouvrir aujourd'hui une Elite Trainer Box pour Corentin M, voilà. Elles sont parties très très vite, je les ai reçues, je les ai mis sur Instagram, c'est parti très très vite. Voilà, je vous les ai mis au prix auquel je les avais eues. Voilà, on va s'ouvrir ça aujourd'hui, donc une belle Elite Trainer Box. Je pensais vraiment pas réussir à en avoir de nouvelles. On m'a envoyé un petit message en me disant, tiens écoute, on a réussi à t'en avoir deux supplémentaires, est-ce que ça t'intéresse? Je dis bah écoute, pourquoi pas. Moi, la collection maintenant, elle est complète, donc voilà, donc je vous en fais profiter. Ça a profité à Corentin. On va s'ouvrir ça aujourd'hui. Je croise les doigts pour toi. J'espère vraiment qu'on va avoir une très très jolie ouverture aujourd'hui. Je vais essayer de l'ouvrir proprement. Voilà, on va ouvrir ça sur le côté comme ça. Tac. Voilà. Alors, une petite Elite Trainer Box. Ça faisait longtemps. Bienvenue à tous les petits nouveaux qui sont arrivés, ça fait plaisir, je sais qu'on se retape un confinement, c'est pas le top pour tout le monde malheureusement, ça va être très compliqué pour certains, ça va être très compliqué pour les fêtes de fin d'année. Alors ça, on met ça de côté, tac. Alors qu'est-ce qu'on a de beau à l'intérieur? Vous me diriez, comme d'habitude, la carte promo, où est-ce qu'elle se cache la carte promo? Elle est là. Elle est là, elle est là. Je vais essayer de pas lui abîmer son coffret. Je vais lui remballer ça de la même manière. Voilà. La petite carte promo. Ça, je te mets ça de côté. Et on a donc les boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc, je vais me mettre ça de côté. Comme ça, je vais t'emballer ça avant que ça parte correctement. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin non plus. Hop là! Voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est ça, les boosters. Allez, je croise les doigts pour toi, croisez les doigts pour Corentin, c'est parti, on attaque tout de suite. Le premier booster, hop, je mets ça de côté parce que je vais remettre ça dedans. 1, 2, 3 et 4. Allez, c'est parti, on y va avec Stade de Greenbury, Nabil, Dardarnian, Coconfort, Goupilou, Tilton, Machoc, Zigzaton de Galar, Machoc une nouvelle fois, et on commence avec une très belle carte. Gardevoir en VMAX, ça commence très très bien cette ouverture. Ça commence très très bien. Gardevoir VMAX, elle est magnifique. Elle est très très belle cette carte. Voilà, et bah écoute, je pense qu'on pouvait pas, mieux commencer avec une très belle carte comme ça. Donc ça c'est plutôt cool, donc bah, un booster, une ultra. J'espère pour toi qu'on aura la chance d'avoir d'autres ultras dans cette ouverture. Allez, on continue. Hop. Donc les boosters, je les mets de côté parce que je vous les remballe à l'intérieur et je vous les renvoie après. Je croyais que j'avais fait tomber quelque chose. Vous voyez, ça donne ça quand je vous les renvoie. Comme ça, au moins, ça bouge pas. Allez, on continue avec le deuxième booster et Motismart, Percy, Stade de Greenbury, Gripat, Aspico, Zigzaton de Galar, Rocabo, Total Soin, Sharpedo en reverse et une première holographique avec un Scolossandre. Il y en a un qui m'a enfin... comment dire? Pas conquis, on va dire, qui m'a convaincu, voilà. Qui m'a convaincu que c'était Scolossandre et pas autrement pour ce Pokémon, donc voilà, ok. Ok, maintenant je suis Team Scolossandre. Désolé pour ceux qui étaient avec moi dans la Team Scolossandre. J'ai basculé de l'autre côté de la force. Allez, Sepiatros, Sharpedo, Arbok, Sepiatop, Pokéball, Gripat, Zigzaton de Galar, Bagiguane, Moticyclette et Recherche Professorale en holographique. Allez, il reste encore 7 boosters à ouvrir. On a eu déjà une très jolie carte sur le premier booster. J'ai pas fait de tri sur les illustrations. On fait un petit peu comme ça vient. On va dire ça comme ça. Allez. Motismart, Sepiatros, Stade de Greenbury, Machoc, Zigzaton de Galar, Goupix, Rocabo, Chakripan, Kabu en reverse et derrière Corayome de Galar en full art. Corayome de Galar en full art, elle est très très belle celle-là aussi. Deux full art dans la même Elite Trader Box, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Bravo, 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 parce que c'est
C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. Allez, on peut continuer à avoir, avec un peu de chance, d'autres full art. Hein. Je suppose qu'il serait pas contre avoir un petit drac au feu. Je suppose. Après, peut-être qu'il en veut pas. 1, 2, 3 et 4. Il va falloir que j'aille chercher des protège-cartes pour la prochaine ultra rare. Pardon, c'est Piatros, Stade de Greenbury, Léopardus, Goupilou, Miamiasme, Bibichu, Rocabo, Potion, une énergie en reverse et derrière Ixon de Galar en holographique. On est à la moitié de cette ouverture, je crois. Ça doit, on ne doit pas en être très très loin. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. On a fait la moitié de cette ouverture. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Corallium de Galar et Gardevoir en VMAX. C'est plutôt sympa. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Il y a plein de petites choses sympathiques qui devraient arriver sur cette chaîne. On va essayer de nouveaux formats aussi d'ici peu. Hop, je repousse ça. Allez, c'est parti. Sbire de la team Yel, Machopper, Moticyclette, Bibichu, Rocabo, Potion, Pokéball, Carvana, Hyper Potion en reverse et... Décidément, les full art, toi, aujourd'hui, c'est pas dégueu, hein. Nabil en dresseur full art. Je dois aller chercher des petites protections. Parce que oui, quand vous prenez des... Quand vous prenez comment. Quand je vous fais des ouvertures, je vais pas vous laisser les cartes ultra rares comme ça un peu à l'arrache. Je vous mets quand même des protections. C'est la moindre des choses de vous mettre des petites protections sur vos belles cartes. Hop. Tac. Et ben yonk. Au moins, t'auras pas pris une Elite Trainer Box pour rien. C'est plutôt pas mal. 3 full art sur une Elite Trainer Box, c'est plutôt. C'est plutôt correct. Et il reste encore 4 boosters. Attention. Allez. On continue. 1, 2, 3 et 4. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Victini, Machopper, Kabu, Gripat, Bibichu, Goupilou, Sepiatop, Charby, Goupix en reverse et Recherche Professorale en holographique. Encore 3 boosters à ouvrir dans cette ouverture. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Avant de partir, encore 3 boosters. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir encore une ultra rare ou pas? Hop là. 1, 2, 3 et 4. Allez, on continue. Hyper potion, Charpedo, conserve douteuse, Zigzaton de Galar, Coconfort, Charby, Miamiasme, potion, Super Bowl et Lugarok en holographique. Allez, encore 2 boosters. 2 boosters pour essayer espérer encore une petite ultra rare, ça serait plutôt cool. Il nous reste un Torgamore et un Ixion de Galar. Hop. 1, 2, 3 et 4. Allez, c'est parti avec Peterson, Sonia, Charpedo, Charby, Gripat, Chakripan, Bagiguane, Pokéball, une énergie en reverse et derrière un Zygarde holographique. Un dernier booster avant de vous laisser jusqu'à la prochaine ouverture, la prochaine vidéo. Bon, c'est pas mal hein, pour l'instant. Je sais pas ce qu'il va en penser, mais moi je trouve que c'est pas mal quand même. On est sur une belle ouverture. Charpedo, conserve douteuse, dame du centre Pokémon, Goupilou, Abo, Carvana, Tilton, Goupix, Moticyclette en reverse, et derrière pas d'ultra rare, mais un Macogneur en holographique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que Corentin, tu es très content de cette Elite Trainer Box, on a quand même des choses tout à fait sympathiques, donc j'espère que ces cartes, tu ne les as pas encore, et que du coup, elles vont venir compléter ton set. Je vous rappelle que le Master Set, je l'ai déjà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui a très certainement dû être publiée avant celle-ci, parce que j'ai tellement de vidéos en attente, qu'il faut que je puisse vous faire tous les montages en même temps, donc voilà. Allez, moi je vous dis à très vite, n'hésite pas à t'abonner, et à bientôt. Ciao.